Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien, comme vous pouvez le voir, moi ça va. J'ai un peu moins d'allergie, un peu moins de fatigue, même s'il est 5h du matin, mais à part ça, tout va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un jeune homme de 15 ans nous a appelé parce qu'il se faisait racketter sans arrêt en allant chez sa grand-mère le dimanche. Il ne pouvait pas passer par un autre chemin que de passer devant des jeunes qui l'attendaient exprès le dimanche après-midi pour pouvoir le racketter. Mais les amis, avant que cette vidéo commence, sachez que j'ai un énorme plan à vous présenter. Et cet énorme plan, il s'appelle Star Chrono et son logo s'affiche ici. Alors Star Chrono, c'est quoi? Ben, c'est une équipe de plusieurs professionnels qui sont spécialisés dans les paris sportifs et qui sont là pour vous faire gagner un maximum d'argent. Je vous invite fortement à télécharger leur application qui est 100% gratuite, et ça c'est quelque chose de rare parce que même l'espace VIP est gratuit, et ça je tiens à le souligner parce que parmi tous les pronostiqueurs qui existent, c'est l'un des rares à faire leur espace VIP gratuit. Grâce à leur pari, j'ai gagné vraiment pas mal d'argent, je vous mets aussi une capture d'écran ici. Comprenez bien que je ne vais pas vous dire de suivre un pronostiqueur si moi-même je ne l'ai pas essayé avant et s'il n'est pas fiable. Une fois que vous êtes allé dans la description et que vous avez téléchargé l'application Star Chrono, vous vous rendez sur Star Chrono, sur l'application, vous appuyez sur démarrer et là il y a 4 onglets. Qui sommes-nous? Ils se présentent, ils vous expliquent qui ils sont. Devenir VIP, bien évidemment c'est pour devenir VIP, c'est là où vous allez cliquer justement. Et l'historique et les avis, c'est les avis de tous les gens et l'historique des gains et des pertes. Là, vous appuyez sur rejoindre Star Chrono gratuitement pour commencer. Ça va vous rediriger vers une page Facebook. Vous appuyez sur démarrer, ça va vous envoyer un message en vous expliquant ce qu'il faut faire pour devenir VIP. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les rajouter sur Snapchat. Leur Snapchat est aussi dans la description. Ils sont à l'écoute, ils sont disponibles 24h sur 24. Il y a des paris 7 jours sur 7. Et moi, franchement, j'ai fait que gagner avec eux. N'oubliez pas, bien évidemment, qu'il faut être majeur pour jouer à des jeux d'argent et télécharger l'application. En attendant, je vous laisse regarder la vidéo pour savoir ce qui s'est passé avec le petit jeune homme en question qui nous a contacté. Et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une conclusion. Ciao. Donc voilà les amis, je suis en compagnie aujourd'hui, comme d'habitude, de Steven. Steven, son snap, il s'affiche en bas. Soso, maintenant il fait des caprices de star, il veut plus qu'on mette le snap, il veut qu'on mette l'insta. Donc l'insta, il s'affiche ici aussi. Et Bâtard, il suit son collègue, il fait des caprices de star, il veut qu'on mette son insta dans les vidéos. Donc son insta s'affiche ici, sur sa gueule. Comme d'habitude, au moins si vous voulez les rajouter, vous avez toutes les informations nécessaires. Alors aujourd'hui, je suis avec un petit, quel âge tu as ? 14. Il a 14 ans, il s'appelle Lucas et il nous a appelé parce qu'il a des problèmes. Ben, à chaque fois qu'il doit se rendre chez ses grands-parents, il doit passer par un chemin. Et les autres savent que tous les dimanches, Lucas passe par là, du coup il s'amuse à le racketter. Ça se passe où quand il te vole comme ça se passe où ? Devant l'arrêt de bus. À chaque fois que tu vas chez tes grands-parents, tu passes devant cet arrêt de bus? Ouais. Et tu peux pas passer par un autre chemin? Non. Tu es obligé de passer par là? Ouais. T'en as jamais parlé à tes parents? Non. Pourquoi? Après, ils vont me prendre pour un faible et tout. Ils vont te prendre pour un faible? Ouais. Tes parents, ils sont là pour te défendre, pour te comprendre. Ils vont pas te prendre pour un faible. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es pas faible? Non. Sinon, tu nous aurais pas appelé. C'est eux qui sont faibles, qui te prennent à plusieurs. C'est eux les faibles, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, là, tu dois aller chez tes grands-parents aujourd'hui? Ouais. Dans combien de temps tu dois y aller? Dans une heure. Dans une heure? Ouais. Les amis, vous l'avez compris, le petit, il est assez timide, il est assez gêné de passer déjà devant la caméra et d'exposer ses problèmes à tout le monde. Donc il faut comprendre un peu aussi que voilà, il a un peu la peur, un peu l'angoisse, un peu tout qui se mélange, et du coup il est assez timide, et je le comprends. Donc du coup t'inquiète pas, ok? Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser Lucas dans une heure partir faire son chemin habituel comme si nous on n'était pas là. On va voir si les gens qui le raquettent sont là, et s'ils sont là, ben, on fera en sorte qu'ils comprennent la leçon et qu'ils recommencent plus. Voilà. Donc là, Lucas, est-ce que c'est eux ou pas? Ouais. C'est eux? T'es sûr? Ouais. Ils sont combien? Ils sont toujours deux ou trois comme ça? Des fois ils sont deux, des fois ils sont trois? Comment ça se passe? Tout le temps comme ça. Tout le temps à trois? Ouais. Ils t'attendent là? Parce que le dimanche il n'y a pas de bus ici. Ouais. Donc du coup ils t'attendent exprès là. Donc ce qu'on va faire, c'est... Vas-y, ben t'inquiète. C'est nous qu'on va les piéger aujourd'hui. Vas-y, fais-le. Il faut qu'il y va là? Bah, pas de suite, on va l'équiper d'abord, après ah. Il va y aller. Ouais.
Bon voilà les gars, donc là ben, je suis avec Lucas, on va t'équiper, d'accord? On va te mettre un micro, des écouteurs, un téléphone qui est à nous, ok? Et avec ça, c'est ce qui va te permettre d'enregistrer le son. Genre ils vont voir les écouteurs un peu, hein? Ouais, ils vont voir les écouteurs, ils vont dire ah tiens un téléphone, tu vois, ils vont vouloir te le voler. C'est sûr, par contre ils te le voleront pas parce que c'est mon téléphone. Et c'est ce que tu fais, pour être tranquille, tu mets un écouteur. Du coup, avec l'écouteur là, on aura tout le son, on saura ce qu'ils t'ont dit. Et en même temps, on pourra savoir quand intervenir ou pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc voilà, non seulement tu vas être au téléphone avec nous et le truc, nous, on va l'enregistrer. Ouais, voilà. Mais j'ai un peu peur, c'est pas sûr que je vais le faire. Tu m'as dit quoi? J'ai un peu peur, je vais pas le faire. Tu as un peu peur et tu veux pas le faire? Ouais. On arrive en 5 minutes, c'est eux qui vont avoir peur. T'inquiète pas, détends-toi. Ok? Sois pas stressé. T'inquiète pas, le téléphone, tu n'as pas ton téléphone sur toi, tu n'as rien, ils n'ont rien à te voler à part notre téléphone. S'ils te volent le téléphone, c'est le nôtre. Nous, on va être obligés d'intervenir. Et t'inquiète pas, que ce qu'on va leur faire, ils ne recommenceront plus. D'accord? On fait ça, t'es prêt? Je sais que t'es pas chaud, mais il va falloir le faire, c'est important. Au moins, ça ne recommence plus après. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Le petit, il est en train de monter, là, on le voit pas dans le cadre, mais il est en train de monter, je vois. Hop, ça y est, il est là. Il arrive. Oui, j'ai rien fait. Tu te rappelles pas de nous? Vas-y, viens, discute. Vas-y, toi, tranquille. Tu reviens d'où comme ça? De chez ma mère. Ta mère? Oui. Ta grand-mère? Et tu vas où là? Tu as quoi là dans tes poches? Ah, tu as un nouveau téléphone, non? Nouveau téléphone? Gros, si on y va, tu nous suis. Comment ça? C'est un nouveau téléphone là. C'est quoi toi? Comment ça? Tous les week-ends, un nouveau téléphone? C'est à qui ça? C'est pas toi? C'est pas moi. C'est en train de chauffer là, je l'entends. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, le plaque? Vas-y, venez les gars, on y va. Venez les gars. Suis-nous, Arnaud. Allez, allez, les gars, écartez-vous, la caméra. Les gars, venez avec moi. Viens. Lâche ton téléphone. Ouais, je t'explique. Moi, je sais pas quel âge vous avez là. 18 ans, 18 ans. Tous, tu vous avez 18 ans? Ça fait quel âge il a, lui? J'ai votre collègue. Quel âge il a, c'est ton collègue? Quel âge il a? C'est ton collègue, quel âge il a? Je sais pas moi. Je sais pas, il a 15 ans, non? Ouais, 16. Il a 14 ans, il a, le petit. Et vous venez à 3 sur un petit de 14 ans? On rigole avec lui. Ouais, c'est bon. Comment il s'appelle? Je sais pas, il habite là-bas. Moi, je vais vous expliquer là. Je vais vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'agresser un petit. Ne me dites pas non, ne m'emboucanez pas moi, je suis pas votre âge, je vais pas délire avec vous. Vous êtes en train d'emboucaner un petit pour lui voler son téléphone. Alors qu'il a 14 ans, le petit est venu nous a appelé à nous parce que apparemment ça arrive tous les dimanches. Parce qu'il y a une caméra juste là, si au cas où vous l'aurez pas vu, vous êtes filmé. Comment? Pourquoi ça a fait ça? Combien de fois ils t'ont volé le téléphone? Combien de fois ils t'ont volé le téléphone? Ne t'intéresse pas intimider tes parents, combien de fois ils t'ont volé le téléphone? Deux fois ils t'ont volé le téléphone? On est 4 ou 5, on fait quoi? Ça te plairait toi? Tiens, rends-lui ces lunettes, c'est des fausses. Ça se voit à 2000. Nous là on est 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme si nous on arrivait à 5 là maintenant et que vous mettez à l'amende tous les 5, tous les 3. À l'amende de quoi? On rigole avec lui. Gros, je viens de te dire que le petit nous a. Tu arrêtes de me prendre pour un con, je viens de te dire, le petit nous a appelé, il sait, on sait, on vous a vu, on a le micro. Tu vois ça? C'est un micro ça. Voilà. Vous agressez, vous faites l'effort, vous agressez un petit de 14 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rigole avec lui. On fait rien, on reste là? Et tu crois que moi je vais te laisser comme ça, c'est bon? Chacun rentre chez lui, c'est bon. Mais non, pas chacun rentre chez soi. Mais non, mon frère. C'est fou, frère. Il me dit, on rentre chez nous. Pas trop avec mes couilles ni avec les siennes. Parce que je t'ai dit, on a 10 ans de plus que toi. Si on te met la main dessus, je crois qu'on t'arrache la tête. Et en plus, tu es majeur, donc on peut. Vous faites peur à ce petit-là. Nous, vous ne nous faites pas peur, mais pas un brin. Vous nous faites rire à nous. On va aller ailleurs et on va régler ça. Comment on va aller ailleurs? On va aller ailleurs. Tu nous suis parce que sinon, par la capuche, je te prends et je t'attrape. J'ai pas envie de te toucher. Alors viens, allez. Vas-y, viens avec moi. Je vais pas délirer avec toi. Vas-y. Déjà, si vous êtes des grands garçons, si vous êtes des hommes, vous avouez que vous étiez en train de le racketter à tout le temps. Vrai ou faux? C'est vrai ou pas? Non, t'inquiète pas, tu restes là, tu bouges pas. Reste là, frérot. Reste là, frérot, on va te balayer devant tout le monde. Arrête. Donc ça va rester pas intéressé. Oui ou non? Vous le raquettez? Vous étiez en train de le raqueter? Oui ou non? Je l'ai, moi, l'enregistrement, les gars. Bon, c'est ça, on va faire simple. Si vous me dites pas que vous étiez... Si vous me dites pas la vérité, ce qu'on va faire, c'est que les images, le son gelé, je vais au commissariat, on monte votre gueule, et puis après, on règle ça en justice. Moi, je m'en bats les couilles. Vous étiez en train de le raqueter? Oui ou non? Eh ouais. Ouais? Comment ça, ouais? Tu lui voles le téléphone pour rigoler, toi? On allait lui rendre après. Ah, tu allais lui rendre? Comme les deux autres que tu lui as volés. Ils sont pas sur les deux téléphones. Ils sont pas sur les deux autres. Oh, vas-y, bon. Les gars, me gonfle. Donc, soit vous avouez tous les trois, soit on va au commissariat maintenant. Vous pouvez rester là, hein, on vous retient pas, vous pouvez partir. Hein. On va aller au commissariat. Après, c'est comme tu veux. Je t'ai dit, je veux que tu avoues et que tu t'excuses au petit. C'est compliqué ce que je te demande. C'est la lune. Eh ouais. Eh ouais, quoi? Tu es en train de le racketter? Tu es en train de le racketter?
Ouais, bon voilà. Alors maintenant vous allez vous excuser, viens. Ouais. Viens, n'est pas honte, tu vas rien te faire. Excusez-vous. Excuse-moi. Désolé. Toi, tu t'excuses pas? Ah, excuse. Tu acceptes leur excuse ou pas? Non, il n'a pas l'air d'accepter les excuses, je pense. Arrête de me dire je sais pas quoi, tu rigoles. Ne me dis pas tu rigoles, c'est bon. Mino, vas-y, va là-bas, t'inquiète pas. Tu rigoles, après si tu veux, je peux te faire pareil. Je te prends comme ça, je t'éclate contre le rideau si tu veux. Voilà, on peut rigoler, on peut rigoler. Ah, vous êtes excusé, c'est bien. Tu acceptes pas les excuses? Non. Non, hein, il accepte pas les excuses, on fait comment? Vous lui avez volé deux téléphones, ils sont où ces téléphones? Ils sont plus là. Ils sont pas là. Ils ont revendu? Ils ont revendu tes téléphones. Donc dedans, il y avait les photos de sa famille, il y avait des contacts. Il y avait de tout et vous avez revendu ça. Claqué les gens. Ouais, moi, t'as tout claqué. On dirait qu'il me parle comme s'il avait des millions. Oh, t'as claqué quoi? T'as acheté un paquet de cigarettes, ça y est, t'as claqué. Tu es fatigué, dis-lui, tu es fatigué, dis-lui. Tu es fatigué. Voilà mon frère. Tu vas faire quoi? T'as peur, vas-y, dis-le, tu es fatigué. Fatigué. Tu vas faire quoi? Enfin. Tu vas faire quoi? T'es vas-y. Quoi? Toujours à 3, sur un petit de 14 ans à 18 ans, c'est bien. Bravo. Les gars, applaudissez-les, bravo. Bien, c'est bien. Donc ouais, nous on fait des vidéos sur internet, on fait des vidéos sur YouTube. Et malheureusement, ouais, sur YouTube, on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Tu comprends? Sur YouTube. Ça veut dire que là, ta gueule, si tu continues, je vais pas la flouter, je vais la mettre sur YouTube. Si tu continues à me prendre pour un coup, on va vous flouter, d'accord? Mais là, on va éteindre la caméra et on va faire un petit truc. Et après, on vous filmera. Tu verras. Tu verras. Surprise. Tu verras. C'est soit ça, soit on t'amène au commissariat. Vous inquiétez pas, on va pas vous faire un truc méchant. Détends-toi, frérot, tu as l'air tendu. Détends-toi un peu, frérot. Pas vas-y. String. Le petit là. Lui, tu vois son visage? Tu as un téléphone? Prends-le en photo. Vas-y, prends-le en photo, écoute-moi. Vas-y, prends-le en photo, s'il te plaît. Vas-y, viens, approche. Vas-y, prends en photo sa gueule, vas-y, prends en photo. C'est bon? Voilà. Maintenant que tu l'as en photo, tu le touches plus. Voilà. Tu as compris? Il y a encore un truc, je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. Il y a encore un truc qui vient nous voir, on dit ouais, ils m'ont raqueté, je sais pas quoi. Il y a des représailles. Il y a un truc comme ça, on vient, on vous attrape. Sans caméra. Il n'y a pas de caméra, YouTube, pas YouTube, ça y est. On arrive sans caméra et on règle ça comme des hommes. D'accord? Alors t'inquiète pas, tu risques plus rien. Maintenant, on va couper la caméra et on va régler ça façon comme ça. Donc voilà les amis, ben, comme vous le voyez, il y a des rislans. Donc ils peuvent rien faire, ils peuvent pas s'enlever. Tu peux parler s'il te plaît? Tu peux faire des tâches. Non, attends. Un petit silence s'il te plaît. On tourne une vidéo, c'est 2 minutes. Silence. Comme vous l'avez vu sur Insta, pour ceux qui sont allés voir sur Insta, on vous a laissé le temps d'y aller. Voilà, d'ailleurs, petite pause pub et on se retrouve après, comme d'habitude, pour la suite. Voilà les gars, donc ben, après cette réclame, on revient avec nos amis les racketeurs qui vont rentrer chez eux comme ça. Parce qu'apparemment, ils habitent dans le secteur. Vas-y, viens, on va rester là. En plus, ça coûte du temps tout ça. Eh ouais, vas-y, casse-toi. Écoutez, rentrez chez vous, tiens, tu les filmes. Rentrez chez eux, rentrez à la maison. Si, il s'est resserré le rizal, t'as entendu le bruit? Allez les gars, rentrez à la maison. Laissez-les les gars, ils vont rentrer comme ça. Oh, on dirait un crapaud, on dirait. Les gars, laissez-les rentrer. Bon les gars, on vous laisse comme ça, les gars, on y va. Non, ils t'attachent. Les gars. Moi, j'ai attaché personne, vous vous êtes attaché tout seul, vous êtes mis dans la merde tout seul. Ça te plaît de voir ça? T'es content? Ça fait rire? Bon. Bah, tu arrives demain chez toi? Non, parce qu'il y a des gens là-bas, ils peuvent pas se faire voir. Il y a du monde. Laissez-les rentrer. Bonne journée, tu leur dis. Et là, ils vont passer une bonne journée là. La fin de journée, les gars. Bon, regarde, bon, regarde pas de travers comme ça, je vais t'attacher les deux jambes. On se retrouve à la fin pour une conclusion comme d'habitude. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu l'apercevoir, le petit, il s'en est bien sorti. Il est content. Depuis qu'on a tourné la vidéo, il n'a plus de problème. Et on a échangé nos numéros pour que justement, si ça récidive, il puisse nous appeler et qu'on règle ça hors caméra et différemment. Les amis, l'été arrive. N'hésitez pas à commander vos t-shirts Camoff sur le site www.futuratech.com. Il n'y a pas que des t-shirts. Il y a des bonnets, il y a des casquettes, il y a un peu de tout pour femmes, pour enfants, pour hommes. N'hésitez pas à y faire un tour et c'est vraiment pas cher. Le message que je vais faire passer à travers cette vidéo, c'est surtout de faire attention dans un premier temps. Et aussi, si ça vous arrive, s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, à qui c'est arrivé ou à qui ça arrive, n'hésitez pas à en parler à vos parents. N'ayez pas honte. C'est ça que je vais faire passer comme message. Surtout, n'ayez pas honte d'en parler à vos parents. Vos parents seront en mesure de régler le problème.
ou d'aller à la police s'il le faut. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo ou une toute nouvelle expérience sociale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager et à commenter pour donner votre avis. Pour moi, il est l'heure de vous laisser. J'espère que vous vous porterez bien d'ici mercredi prochain. Et faites attention à vous. Ciao.